Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 7 de Animal Well. Je crois qu'on a plus le choix là, on va être obligé de faire la course poursuite avec le fantôme du Matou. Ça me réjouit pas du tout, mais bon. Peut-être que ça peut nous débloquer. 27E, du coup, pas de quoi ouvrir de porte. Non, mais... Alors, je vais avoir besoin de ceci. De la méthode et pas de précipitation surtout. Je pense que ça va être ça le maître mot. Alors ça, attention parce que ce truc a tendance à activer. Putain. Les statues. Oh putain, il a rush d'un coup là. Super, super. Ah bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le truc, il a rush de malade en fait. Et il m'a fait tomber après, j'ai pas... Putain, c'est trop chaud. C'est trop chaud. On retente, mais... Putain, ce passage... J'appréhende les autres passages, hein, je vous le dis tout de suite. Alors les autres passages sont moins stressants parce qu'il n'y a pas d'autres ennemis qui nous... Enfin si, il y a celui avec le clébard, avec la manivelle. Il y a cette salle-là. C'est méga dur, enfin... C'est par là qu'on veut aller. Il avait rush de ouf, comme si c'était coincé dans un bloc et puis qu'il avait eu un boost de vitesse dû à la collision. Ici, là. Trop bizarre. Ok. Ah, intéressant. Ah oui. Oh non, mais putain, ils sont peut-être chercheuses en plus. Quel enfer. Aïe, aïe, aïe. Au secours. C'est tellement dur. Qu'est-ce que... En fait, j'ai rien à faire là. Je me suis trompé d'endroit. Attends. Eh oui, je suis descendu et il fallait que je continue tout droit. Le chien et la manivelle. Bon, moi, j'étais persuadé qu'il fallait que je continue. Et en fait, j'ai été perturbé parce que quand il a activé la statue du toutou à tête chercheuse, bah, je savais plus où aller. J'avais jamais été aussi loin. Alors, cela dit, l'endroit avec le frisbee, là, pour passer les trois chiens, c'est... Il y a une technique. Visiblement, le chat tourne autour de nous sans vraiment nous atteindre. Ça nous laisse le temps de setup le frisbee. Donc, pourquoi pas. Thank you.
teckel, on va pas voir le teckel. Surtout pas. C'est le speedrun, hein. Ok, j'y arrive pas. C'est chaud, hein. Ok, nickel. Ça, c'est dégueu. Las. Mais voilà, mais ça y est, je suis mort parce que le timing était horrible. Je préfère ça que... Non mais putain, mais deux fois de suite. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh, c'est trop dur. C'est trop dur. Ah, c'est pas la partie fun du jeu là. Là, c'est vraiment pas fun là. Ah, tu sens que c'est faisable. Mais là, la difficulté, elle en prend un coup vénère. Ah, j'aimerais limite faire celle-là avant, mais je sais pas. Je comprends pas comment activer les 4 interrupteurs. Non mais il est... Enfin, je... Je suis en train de m'ambiancer, mais... Mais je suis sûr que... Après... Après la flamme, on voit des trucs, hein. Ah, c'est trop dur. Sont immondes. Ah, c'est le bad absolu quand même. Ça va, j'ai réussi à sauver le truc. Ah, mais non ! Putain de jeu de mort ! Oui. C'est avec moi, c'est avec moi que tu joues là. Ah, c'est trop dur. C'est ça, franchement. Ça, je sais pas.
Ça, je sais pas. Il faut tous retaper à chaque fois, c'est horrible. C'était quoi le passage au-dessus où j'ai foiré? Parce que j'avais j'avais réussi à passer. C'était quoi la salle horrible après? Parce que j'ai réussi à monter et après j'y suis pas arrivé, mais pour quelle raison? Attends, non, c'est pas au bon endroit. J'étais tombé parce que... Ah oui, il y a la... Et en plus, j'avais même pas besoin d'activer le bloc. En fait, je cherchais le sling et j'ai pas besoin, il fallait que j'aille tout droit. Si, j'aurais eu besoin du sling de toute façon. Mais je pouvais le setup après. En fait, le truc, c'est qu'une fois que je suis arrivé sur l'échelle, faut que je commence à sectionner le sling ici. Et après, c'est la bulle. Oh là 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 là. Au secours, au secours! Pourquoi c'est si dur ce passage? Pourquoi c'est si dur? Mais ça, c'est horrible, hein. Faut pas faire des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui font rage quit les jeux. C'est beaucoup trop dur. Elle passe... Le passage avec le chien et la manivelle, horrible, hein. Vraiment horrible, hein. Pour le coup... Bien sûr, Rush! Je te dirai rien! Voilà. La même bête! Allez-y, allez-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on a compris. Pas le droit à l'erreur, on a compris. Ah là là. Sur un malentendu, au bout de 783 000 tentatives, ça va passer. Hein? On passe sur du casino, là. Ou alors, faut que je comprenne le timing de lancer de frisbee en fonction de la position du chat pour pas qu'il me... Par ici. Là, c'est mort, le timing, notamment. Là, le timing était bon, mais... passe. Là, on a mis le slink. Tabasser les boules. Oh là là, j'ai envie de rage quit ce truc, mais sérieusement, hein. Je savais que ce passage, ça allait être immonde. Hein. Je savais que ça allait être immonde. Parce que le temps que tu setup le truc, l'autre, il te rush et tout. Oh là là.
Non, mais c'est horrible ce passage, c'est horrible. Je vois pas quoi faire d'autre comme trajet en plus, hein. T'es obligé de faire ce trajet immondissime. Et après, comment setup correctement les choses avec l'autre qui te poursuit. C'est trop dur. D'ailleurs, on a pris ce coffre. Ou sinon, on reste en boucle devant la porte qu'on n'arrive pas à ouvrir là. En se disant qu'au bout de 9h30, on arrivera peut-être à trouver la solution. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je dois passer à côté de quelque chose parce que... Et là, on a une tête d'hippopotame qu'on n'a jamais vue ailleurs dans le jeu. Il y a encore quelques mystères. Hein. Il y a le mystère des chats à sauver. Il y a le mystère de la tête d'hippopotame. Il y a cette porte-là qu'on n'arrive pas à ouvrir. Qui nous donne accès à la flamme directement en plus. Non mais ça doit être de la logique en fait. C'est un peu, je pense que c'est un peu comme... comme l'histoire de la bulle qui permet de monter en fait. Donc, si je prends la grenouille. J'arrive ici. Ah, je suis frustré qu'on doive faire un truc aussi dur. Si je suis frustré, hein, vraiment. C'est là, hein, du coup, hein. Oui, c'est là. Alors, il est évident qu'il faut... Pour moi, il faut mettre Slinky. Ok, le yo-yo permet d'atteindre ça. Mais c'est tout et c'est nul. Il va casser là. Le problème c'est que moi je voudrais pouvoir tomber en même temps que les Slink, que le Slink pour pouvoir appuyer sur les boutons de chaque côté. Mais qu'est-ce qui actionne le bouton pour faire tomber les trappes? Rien en fait. Donc j'ai pas moyen de mettre autre chose. Détruisons le décor, hein, ça défoule. Comme... On peut même pas temporiser l'appui sur ce bouton en fait. Non mais c'est trop bizarre, on dirait qu'il manque un truc.
On dirait qu'il manque un truc parce que même la salle tout à gauche là, avec l'autruche dans la roue, ça passe pas. Il y a un truc qui manque. C'est terrible. Je sèche de ouf là. Hein. Je sèche de ouf dans le jeu et c'est pénible. Il n'y aurait pas un passage ici. Non, il y avait juste un fruit derrière son cul. Ok. Oui. Par là. Oui, Totoro, oui. Ah oui, pour un coffre, c'était bizarre de le récupérer. D'ailleurs, ici, il n'y a pas une bougie ou... Après, j'ai plus d'allumettes, hein, mais... Ah oui, il n'existe plus, le caméléon, puisqu'on l'a... On l'a buté dans une autre salle. Donc, il n'est même pas ici, en fait. Une médaille S. D'accord. Un autre objet, Voilà, j'étais intrigué par cet endroit, et c'est tout ce qu'on gagne. Il y a aussi un accès pas loin là. Oui, mais c'est encore des trucs infranchissables là. Non, mais il y aura forcément un objet qui nous permet de détruire ça, c'est pas possible. C'est pas possible quoi. Il y a trop de passages comme ça qui nous sont bloqués. Beaucoup trop haut. Ah oui, mais beaucoup trop haut, mais parce que... Voilà. Faut utiliser la technique. Un œuf clinquant. De cœur bleu. Ah, et du coup, on arrive là. Ah si, il y a une bougie. C'est juste que comment on l'atteint, en fait. C'est pas si facile. Okay. Comme ça, déjà. Ah bah c'est dommage, j'ai pas d'allumettes. Et les allumettes, c'est pas facile à trouver hein, aussi. Hein. Bah oui, bougie éteinte. Ça nous permettrait de nous débarrasser définitivement des fantômes ici. Ah bah oui, mais... Ouais, ouais. Mais il n'y a pas de... Attends, quoi? Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un passage à droite, là? Bon, allez. Le jeu, là, oh.
Le jeu est pas drôle. Ah non, il n'y a pas un passage à droite. Il y a un passage dans une salle. Attends. Attends. Parce que si on peut gruger, on va pas s'en priver. Voilà. Du coup, on vient ici. Une bulle. Ok. Voilà. Ah oui, avec le yo-yo, on devrait pouvoir le... Eh mais non. Non, appuie sur le bouton là-bas. Ah. Quelle tristesse. Et du coup, très certainement qu'il faut passer la barrière qui est juste au-dessus pour atterrir du bon côté et guider le Totoro à gauche. Ah. Donc les points roses qu'on voit sur la map, par exemple au-dessus du téléphone jaune là, c'est des fruits. Ouais, ouais, bah oui, c'est carrément ça. Il y a des fruits bleus parfois, je vois des points bleus. Ah, c'est dur, hein. Là, ça commence à devenir dur, là. Non, mais il y a sans doute un moyen simple de... Doit y avoir un moyen de safe-iser la course-poursuite avec le chat, quoi. C'est pas possible. C'est quand même dingue que ça soit si dur, cette partie. En fait, tu sens que ça a été designé comme ça. Tu sens que c'est les bonnes salles que tu passes et tout. Ça se sent que c'est toi. Mais... Et il n'y a pas de coffre avec une allumette ici. Dommage. Non mais en fait là c'est là d'où on peut venir. Par la droite, mais c'est pas ça. Ouais, voilà. Ah mais attends, il y a encore des endroits qu'on peut passer là. J'avais pas vu. Non mais c'est le level Totoro là. Il y a peut-être un passage secret, non? Oh, ça sent le bait, ça, encore, hein. Oh, ça pue le bait. Non. Nananananananana. Ça pue le bait. Ouais, par ici. Ici, on descend et à gauche. Mais attends, avec le slink. Fais un effort. Ok, c'est bon. Voilà, on est tranquille. C'est sans doute comme ça qu'il fallait faire en plus, hein. Voilà.
Ça me va. On a 8 cœurs, hein. Ah, mine de rien, alors, mine de rien, c'est chiant. Ah oui, on va le carotter. Vas-y. Take the yo-yo. D'accord. Donc, fallait pas du tout ouvrir... œuf universel de base. D'accord. Et un œuf zen. Let's go. Ok. Donc on a percé le mystère de la paroi infranchissable qui en fait était bien infranchissable mais juste il y avait une salle derrière. Ah par contre, I'm such a débile profond parce que je me demandais s'il y avait pas une histoire avec le... Vas-y viens. Avec le yo-yo pour une salle du dessous. On va recommencer. Petit effort. Ok, d'accord. Genre. Oui, voilà, c'est ça. Genre là, il n'y a pas un truc. Qui nous permettrait de taunter le Totoro qui est dans la salle du dessous. Enfin, qui est techniquement cette salle, mais celle du dessous. Visiblement non. Vraisemblablement, faut faire un truc du genre. Il y a une salle à droite là. Hein. Faut trouver un levier. Un levier qui change les blocs, j'en ai pas vu là. Hein. Ah mais c'est par ici en fait. Non, ah. Et il fait trop sombre. Alors attends, on recommence. Hein. Finalement on connaît le chemin. Là. On est derrière une technique là. C'est trop bizarre. Donc là il dort. Peut-être qu'il existe un champ qui permet de les diriger. Et qu'on ne connaît pas encore. Je vais regarder sur mon téléphone la photo que j'avais fait dans un épisode précédent où j'avais voilà les têtes. Une tête qui triste, une tête contente, une tête triste, une tête contente, une tête neutre, bof. Ah, yeux plissés, pas content, yeux plissés, content, yeux plissés, pas content, yeux plissés, content. Mais ça s'apparente même pas à des directions en fait. Donc je pensais que c'était éventuellement un code ou un champ, mais c'est même pas ça en fait. Dommage. Donc on laisse tomber cette piste.
Et ça va être forcément une histoire de code ou je ne sais quoi. J'aimerais revenir dans la salle tout à droite, mais il faut que j'arrive à trouver un levier. Et ça, je ne sais pas où il y en a. Dans cette zone-là, je sais pas. Ils sont pas vraiment indiqués sur la carte, en fait. Il faudrait que je les indique, tout simplement. Je te bulle. Bah là, il y en a pas, là. On est d'accord. Oh le con. J'avais des cœurs bleus et je suis en train de tout gâcher. Y'a pas un endroit où on peut avoir un levier là? Oh j'en ai marre, je tourne en rond là. Je tourne en rond. On va revenir en arrière. Trouver un levier qui est dans une autre zone. Ah. C'est le corbeau, il m'a fait peur. Comment ça? Ah. Hé! Oh le bâtard! Oh le colibri, il aime pas les bulles. Oh le vilain! Et bien sûr, j'ai rien pour... Ah non, je peux pas... Oh, regardez, il y a une échelle! Oh, il y a une échelle. Attendez. On va le faire d'ici, hein. On va la foutre. Si le colibri... Ah mais le colibri! Oh non mais c'est nul, il triche, il triche! C'est une honte! Pourquoi le jeu il triche? Ah il y a les lianes! Ah ah ah, bien joué le jeu, bien joué! Ah là là, moi aussi j'essaie de... Oh. Alors je me dis, c'est bizarre ce mur quand même. Ah mais ça se trouve on l'a déjà pris. Ah mais il y a de grandes chances qu'on... Quoi? J'avais déjà été là? Vraiment? Je m'en souviens plus du tout. Ah mais là pareil, il y a les lianes. Les lianes folie. Attends, on va passer là. Bah ça, on connaît cet endroit. On connaît et du coup... Ça, ça veut dire que c'est un chien qui... qui est dans une roue. Parce qu'il y a des chiens sur les plateformes. Ah mais ça marche pas, c'est pas dans le bon sens. Trah, j'essaye hein, de trouver une solution, hein, mais... Là, le jeu, il veut pas. Hein. Il faudrait se débarrasser du colibri éventuellement. Si c'est faisable, bien sûr, mais.
t'es un direct. Bâtard. Donc eux, je leur avais balancé un disque, ils s'en fichaient. Par contre, tu veux créer une bulle, ils t'en empêchent. On avait été tout à gauche là. Ouais. Lui, la musique, ça le dérange pas. Ça le vénère pas, donc c'est bien. On a eu le coucou, hein. Et les coucous, ça arrive quand tu... Ça, c'est arrivé au tout début du jeu avec les quatre flammes, hein. Peut-être que c'est pour te dire, hey, oublie pas d'aller chercher les flammes. Au cas où quelqu'un s'égarerait un petit peu. Ah là là. Ah. Ah. Je viens d'avoir une épiphanie. Là, dans la fontaine. Tout simplement. Regardez. Oh non, mais... Oh, le timing nul. Oh, vraiment un sac à merde. Ah bah vas-y, hein. Bon, c'est déjà plus simple à faire que la course-poursuite avec le fantôme du chat. Hein. Ok. Voilà. Nickel. Ça pour un œuf. Quoi? C'est un faux plafond, mais... Quoi? Oh, wow! Donc, pour un œuf, hein, l'œuf de vérité. Super! C'était vraiment que ça, quoi. C'était vraiment que ça. Alors qu'il y a d'autres endroits, hein. C'est horrible. Je peux essayer de gratter encore un peu dans ce conduit. Ouais, ouais, ouais. Si je monte là. Ah, ça t'empêche de faire des bulles. Les bâtards. Ah, ils ont bien compris, hein. Ils ont bien compris, hein. Y a pas de souci. Voilà. Tu peux ni faire les bulles, ni faire le... Ah ouais, 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 ouais. Ah, les petits bâtards. Shit.
Ah, je voulais grimper tout ce conduit, moi. Et puis après, on voit plus rien. À moins que... Il y ait quelque chose là, mais... Je dirais pas, hein. Allez, le jeu, t'en es capable. T'es capable de donner de la satisfaction, là. Allez. Non, mais tout indique que c'est là où il y a l'hôtel du faux disque. Mais le problème de l'hôtel du faux disque... Enfin, si, je vois exactement. Hein, c'est qu'il faut faire le chat. Hein. Visiblement, faut faire le chat. C'est horrible. Là, on pourrait profiter du fait qu'on a 7 cœurs pour le faire. En profiter et du coup se dire bon bah vu qu'on a plein de vie on le fait bien. Alors le problème c'est le stress pourrait nous faire faire n'importe quoi. 8 coeurs. Le stress pourrait nous faire faire n'importe quoi et gaspiller toute notre vie sur les 3 chiens par exemple. C'est impossible, il suffit que le timing soit dégueulasse et on casse tout. Parce que là on est mort sur les blocs hein, vraiment hein, putain sur les blocs. C'est trop dur les blocs. En plus c'est des fantômes maintenant. Dans la flotte. Donc, on perd une vie dès qu'on tombe, quoi. Enfin, c'est terrible. Attends. Si jamais je joue la mélodie. Et que je me TP là. Je vais beaucoup plus vite. J'ai envie de tricher. Donc, le faucon. Combien de... Oh là là, 31. On est passé à ça. On est passé à ça de l'ouverture de la troisième porte. Très mystérieuse d'ailleurs, hein, troisième porte. Qu'on sait pas du tout où ça peut mener. Attends. On a fait, hein? Non, on n'a pas fait la salle en question. Ouais, ouais. Donc là, j'ai touché au truc. Comme il n'y a pas de levier, c'est pour ça que c'est relou. Donc là, je continue. Faut voir que ça va pas être le bon statut de levier. Oh le con, le con! C'est des ennemis de base! Voilà, là on a ouvert. Alors, tout va être à distance. Hein. Là il tombe. What? Attends, quoi? Ah! Attends, voilà, d'accord, ok. D'accord. Résetons le truc. Donc là, si je le... En fait, il faut que je le fasse tomber d'un cran pour qu'il passe. Attends, réfléchissons. Comment j'ai fait pour désolidariser les deux plateformes? Si je fais ça, il tombe. Si je fais ça... D'accord. Là, les plateformes sont désolidarisées. Alors, je suis content que ça marche. Mais j'y croyais pas, hein.
Mais par contre, la plateforme va le faire tomber, on est d'accord? Non. Pas du tout. Il poussait la plateforme. On prépare les pétards, hein. L'œuf du futur! 32e œuf. Et alors ce bruitage quand on a un œuf particulier c'est genre c'est un mystère très très grand et du coup félicitations quoi. Parce que ce jingle est particulier quand même. Vas-y je m'en fous, je vais aller récupérer la porte à 32 œufs. Et 7 cœurs, hein. On pourrait tenter le chat. Ah oui, en plus, on voulait tenter le chat avec la flûte. C'est-à-dire se TP. De sorte à vraiment skip une grosse partie du trajet. Ce qui serait peut-être une des manières de faire, hein, finalement. Faut juste arriver à jouer le chat rapidement, en fait. Pour pas se faire défoncer par le chat. Il faut maîtriser en plus Oh. Une toupie donc. Beyblade est là. Oh. Attends mais c'est un objet Mais putain, mais y a trop d'endroits où ça peut servir. Vous pouvez pas faire ça, le jeu. C'est interdit. Attends, est-ce qu'il y a des endroits, du coup, où... Ah, la fameuse porte. La fameuse porte. Avec les boutons, les 4 boutons. Ça flotte sur l'eau, ce truc. De le faire en un cycle à chaque fois hein, mais c'est pas forcément très alors il y a un endroit où j'ai pu casser avec la toupie et depuis plus rien hein, mais alors vraiment pas évident hein. Trois, j'en ai fait trois. Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, le jeu est dégueulasse. Ça se joue au pixel près, c'est immonde. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit la solution parce que là... Bon, on y est arrivé, mais... Clairement, on a triché. Hein. La flamme G. La flamme de l'autruche.
Du coup, je réfléchissais à l'endroit où il y avait le truc justement dans les... dans la roue. Est-ce que la toupie nous permettrait de... de passer, c'est pas dit, hein. Encore plus d'explosions. Ok. On va perdre tous nos cœurs bleus ici, hein, je vous l'annonce. Alors qu'il suffisait de faire ça. Mais bon. On la voyait, la bombe. Hein. Ah, on revient là. D'accord. Très bien. Ok. Ouais, là aussi il faudrait casser. Neuf planètes. Et il fait trop sombre. Ah, grave. On va continuer, hein. Oh, oh bah oui, mais elle m'a fait faire un saut nul à chier. C'est tard. Trop sombre pour voir la carte. Oui, on avait été ici en plus. Donc on avait été là, ok. On avait été là et ça nous avait mené à rien. Enfin si, on avait pris un coffre, mais c'est tout. Parce que c'est des salles sombres. Donc ouais, c'est chiant que les salles sombres, on les voit pas sur la carte. Ok, 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 d'accord. Bon bah, 3 flammes sur 4, hein, mais... Du coup, on tente le chat. De toute façon, là, on a perdu. Il ne reste plus qu'un cœur bleu, donc de toute façon, on va dire que. On va dire que c'est pas très grave. Bon, et visiblement, donc, le c'est un autre coffre encore. Donc, c'est un autre objet finalement. Ça a l'air d'être un coffre à objets pour les 64 œufs. 64 œufs. Donc, v'là le taf, hein, parce qu'il y a... Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait toute la map, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à explorer. Et pourtant, il reste encore... j'ai 33 œufs. Ils sont où les 31 restants? C'est un délire, quoi. C'est incroyable. Bref. Donc, essayons de cheese la course-poursuite. Alors, c'était lequel? C'est le chien. J'attends qu'il arrive ici pour le bait.
Il est arrivé en 2 secondes, quoi. Vas-y, tue-moi, tue-moi. Alors, c'est une bonne technique. C'est une bonne technique, la flûte. C'est une bonne technique. C'est juste que j'ai foiré mon dernier saut parce que le stress, c'est parce que... voilà. Mais c'est une bonne technique. Bon, par contre, ça... ce truc-là... Pas certain que ça soit la bonne solution. Ça me paraît vraiment tiré par les cheveux. On a à peine le temps de le faire, d'avoir un essai hein, pour le... On n'a qu'un seul essai pour les plateformes. Alors, on n'a qu'un seul essai. Et une fois qu'on est passé, faut qu'on utilise les bulles pour... Non mais horrible. Après, c'est de l'orga, parce qu'il n'y a plus d'ennemis. Après, il n'y a plus de trucs... Enfin, si, il y a plein de statues, en fait. Il y a des statues qui vont s'activer. Ah ouais... Ah, ils se sont fait plaisir hein, sur la difficulté à cet endroit-là. Hein. Vraiment. Hein. Je sais pas ce qu'il leur a pris, hein, mais vraiment... Ou alors, ça veut dire que c'est la fin du jeu, et du coup, c'est pour ça que c'est dur. Hein. Et c'est abusé. Considère que c'est le boss final. Ok. Non, le slink. Le slink. On attend. Mon perso, il fait dodo. Yes, du premier coup. Alors. Là, c'est quoi, au fait? Ouais, c'est là. Les pics, j'ai pas vu les pics, je suis en train de me faire bolos. Et surtout, c'est pas les... En fait, c'est pas les bons blocs. Je me suis fait avoir sur les blocs. Aïe, aïe, aïe. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais ça sera tout pour cet épisode, du coup. On tentera la prochaine fois avec la strat de la flûte. Ta bise.